bonjour, bonjour Laura. Bonjour tout le monde, bonjour Paul. Je vois du pain sur la table. Oui. On fait de la boulangerie aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on fait? Alors, il me reste du pain, de la veille. D'accord. Alors, tu connais le pain perdu? Absolument pas. Et je, ben voilà. Je connais de nom, mais je ne l'ai jamais fait. Le pain perdu, c'est très bon, c'est très simple. Donc, pour faire du pain perdu, il vous faut du pain, 2 œufs, de la vanille liquide ou en grains, une tasse de lait, un peu de sucre, pas mal de beurre. Pas mal? Oui, pas mal de beurre, parce que le pain perdu, ça va cuire dans le beurre, mais il faut qu'il y ait une bonne couche de beurre. Ah, d'accord. Voilà. Pour commencer cette recette de pain perdu, donc il faut découper, il faut couper les tranches de pain, donc pas trop fines, pas trop grosses. Voilà. Ça c'est bien. D'accord. Le pain est prêt? Oui. Nous allons faire notre petite préparation dans laquelle va tremper le pain, avec donc 2 œufs. C'est pour moi? Ouais. Entiers, 2 œufs entiers. Avec nos œufs? Avec nos œufs, nous allons rajouter le lait. Top. Alors, on touille bien pour que tout se mélange. Voilà, je veux bien que tu nous rajoutes le reste de lait. Alors, finir le lait. Ben, on va rajouter la vanille. Donc, un petit peu de vanille. Oui, moi j'aime bien, ça a bien goût de vanille. Je sais pas, 2-3 cuillères à café. Allez. Sucre. Il ne reste plus qu'à rajouter une petite pointe de sucre. Léger sur le sucre. Ouais. Oh, tu sais. Oh, je laisse après. Nous allons allumer la plaque et faire fondre une bonne grosse noix de beurre. Voilà, pendant que le beurre fond, chef Paul, nous allons faire tremper nos morceaux de pain dans la mélange. Donc il faut que ça soit bien trempé des deux côtés, il faut que ça soit bien imbibé. Le beurre est fondu, nous allons pouvoir mettre notre pain à cuire. Alors, on prend une bonne rondelle de pain. On dépose dans le beurre chaud. On peut rajouter une petite pincée de sucre sur chaque rondelle parce que quand on va le tourner pour faire cuire de l'autre côté. Ça caramélise. Ça va caraméliser. Ah. On va pouvoir les tourner pour que la deuxième face cuise. Donc c'est bien saisi. On les retourne. On les retourne et on remet un peu de sucre par-dessus. D'accord, des deux côtés. Voilà. Ça sent bon ou pas? Ça sent bon, hein? J'aime bien. Tous ces petits arômes là. Sinon, si c'est live. Très. Et ensuite, on les sort. Et ensuite, on peut les re-retourner. Moi, je vais les re-retourner. Je leur fais des allers-retours. Mettre une pointe de caramel dessus et ensuite, je les sors. D'accord. Et oui. Toujours un peu plus de gourmandise. Exactement. D'ailleurs, je vais les retourner maintenant. Alors, on les retourne. Petit caramel. C'est prêt? Ouais. Le caramel est en train de fondre, donc tu le sors. Ça. En attendant, chef Paul, tu peux nous mettre le restant du pain à... Ah oui, il en reste. Oui. Bon, on va répéter l'opération. Exactement. Je crois qu'on n'ait plus de pain. N'hésitez pas surtout à rajouter du beurre dans la casserole, dans la poêle. La technique, c'est vraiment que ça va cuire dans le beurre. Ouais, ça cuit dans le beurre. On va répéter l'opération jusqu'à la fin. Enfin, tu vas répéter l'opération jusqu'à la fin. Pendant que je me repose un peu. Eh bien, écoute, nos pains perdus sont très bien réussis, je pense. Regarde, ils sont bien cuits, moelleux. Je pense que c'est l'heure de la dégustation. Parfait. Très bon. Mmh. Oh. Avec le caramel. Pour ma semaine de régime. 3e. J'en connais une qui va se régaler ce soir. Ta coloc? Eh oui. S'il en reste, parce que là, ce rythme-là, c'est pas gagné. Bon, les amours chers, c'était le pain perdu au caramel au beurre salé. Hein. Oh. De l'eau, hein. On espère que ça vous a plu. Moi, c'est impeccable. Je continue. Retrouvez-nous sur Instagram, hein, www.lesapprentichefs.com et sur Facebook, Les Apprentis Chefs, petite cuisine entre amis. Et on se donne rendez-vous très vite. Ciao tout le monde. Salut. Bye bye.